Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. D'accord. أشهدُ. أشهدُ. ألا إله. ألا إله. إلا الله. إلا الله. وأشهدُ. وأشهدُ. أن محمدًا. رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Donc on avait expliqué l'importance de la parole « La ilaha illallah ». Et on avait expliqué que quand on dit « La ilaha », qu'est-ce que l'on dit avec notre tête ou qu'est-ce que l'on dit avec notre cœur surtout ? Non. Pourquoi on dit non ici ? Pourquoi quand on dit « La ilaha », on dit non ? Ça veut dire non. Vous vous souvenez plus ? Ça veut dire qu'on adore personne. Illallah, on dit oui, que Allah. D'accord ? Puisqu'il y en a qui adorent autre qu'Allah. D'accord ? Et nous, est-ce qu'on adore autre qu'Allah ? Non. Non. Ensuite, on dit wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah et l'envoyé d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il a choisi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour transmettre son message à tous les gens. D'accord ? Et c'est quoi le message que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a transmis à tous les gens ? Très bien, en fait le message c'était « La ilaha illallah ». C'est ça le message que tous les prophètes, ils ont transmis à leur peuple. Donc là on lit donc la page 10, il est marqué, qui lit, qui arrive à lire ? Zahra, commence à lire et je vais t'arrêter, je vais expliquer. Donc je suis musulman ou musulmane. En fonction de si tu es un garçon, tu es musulman. Et si tu es une fille, tu es musulmane. Car c'est Allah qui me le demande. C'est-à-dire, je suis musulman, c'est-à-dire que j'adore Allah Azza wa Jal seul. Le musulman, qu'est-ce qu'il fait ? Il adore Allah Tabaraka wa Ta'ala seul. Celui qui adore autre qu'Allah, celui qui adore les statues, est-ce qu'il est musulman ? Non. Non. Même s'il est algérien, marocain, saoudien, égyptien, tunisien, peu importe. C'est pas parce qu'on est arabe qu'on est musulman. Il y a des arabes qui ne sont pas musulmans. Et il y a des musulmans qui ne sont pas arabes. Donc ici, on est musulman à partir du moment où on adore Allah. À partir du moment où tu adores Allah, tabaraka wa ta'ala, que tu lui obéis, que tu fais ce qu'il t'a ordonné et que tu t'écartes de ce qu'il t'a interdit. D'accord ? Allah t'a ordonné de l'adorer seulement lui et il t'a interdit d'adorer autre que lui. Donc celui qui fait les piliers de l'islam et qui croit aux piliers de la foi, lui il est musulman. Et c'est Allah Azza wa Jalla qui nous l'a demandé. Et pour être musulman, il faut prononcer la shahada. Qui connaît la shahada ? Hamza. Très très bien. Tu peux me donner ton livre. Je vais marquer 10 sur 10 sur ton livre. Tous ceux qui récitent la shahada, on va marquer sur leur livre 10 sur 10. Parce qu'il fallait l'apprendre pour aujourd'hui. Très bien. Tu peux me donner ton stylo ? Oui, Zahra ? On va t'en trouver un. Vas-y, on t'écoute. Viens, approche, je t'attends.
أشهد أن محمد رسول الله. Très bien, محمدًا رسول الله. Très très bien, 10 sur 10. Bien, زهرة. Très très bien, mashallah. 10 sur 10. Mohamed. Très bien, Mohamed. Oui. Très très bien, les enfants. On continue. Alors, ici il est marqué un seul Dieu existe et c'est Allah. Donc ici, on va rectifier. Il y a d'autres dieux qui sont adorés en dehors d'Allah. Il y en a qui adorent les statues, il y en a qui adorent les animaux, etc., les étoiles, le soleil. Mais le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah. Le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah. Le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que dans la Fatiha, qu'est-ce qu'on dit? Iyaka na'budu. Répétez, Iyaka na'budu. Ça veut dire que j'adore uniquement Allah. J'adore Allah Azza wa Jal seulement. Seul lui mérite d'être adoré. Ça veut dire quoi adorer? Ça veut dire que je lui obéis et je fais tout ce qu'il me demande. Je lui obéis et je fais tout ce qu'il me demande. D'accord? Et quand Allah Azza wa Jal il nous demande de ne pas faire quelque chose, est-ce qu'on va la faire? Allah, il nous demande de ne pas adorer les statues, est-ce qu'on va la faire? Non. Allah, il nous demande de ne pas inventer des choses dans la religion, est-ce qu'on va les faire? Non. Allah, il nous demande de ne pas tuer les gens, est-ce qu'on va tuer les gens? Non. De ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas désobéir à nos parents, est-ce qu'on va faire toutes ces choses-là? Non. Et ensuite, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé par Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est lui le dernier de tous les prophètes. Est-ce qu'il y aura un prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Non. C'est pour cela que on ne sera jamais des vrais croyants tant qu'on n'aimera pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam encore plus qu'on aime nos parents et encore plus qu'on s'aime nous-mêmes. C'est-à-dire que tu dois préférer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ta maman et à ton papa. Et tu dois préférer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à toi-même. Ça veut dire quoi l'aimer? Ça veut dire que tu vas le suivre. Tout ce qu'il fait, tu vas faire comme lui. Tu vas faire comme lui et ça s'appelle la sunna. C'est-à-dire tu vas suivre la sunna. Tu vas suivre la sunna. Tu vas suivre la. Et la sunna, c'est tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a dit. Et c'est tout ce qu'il a fait. C'est tout ce qu'il nous a enseigné. C'est sa manière d'agir. Sa manière de comporter. C'est de se comporter. Toutes les choses qu'il nous a dit de faire, nous le faisons. Tout ce qu'il nous a interdit, nous nous en écartons. D'accord? Répétez Allahumma salli. Ala Muhammad. Donc là c'est la prière, on va aller prier calmement, gentiment, car la prière, on va se présenter devant Allah, tabaraka wa ta'ala, donc on doit se concentrer.